Donc, retrouvez votre verti installez-vous confortablement, retrouvez votre verticalité. Et on va démarrer par 10 grandes respirations. Toujours inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous laissez votre respiration se poser naturellement, sans plus rien forcer. Vous observez simplement comment vos côtes se soulèvent et s'abaissent naturellement. Et vous allez maintenant poser votre attention au centre de votre poitrine, au niveau de votre chakra du cœur. Et allumez là une lumière, une petite lumière, activez une petite lumière dans votre cœur, qui est une lumière d'amour, quelque chose de blanc, très lumineux, ou de jaune doré. Vous allez alimenter cette lumière, cet amour, sur chaque inspiration, sans forcer votre respiration. Simplement sur chaque inspiration, vous alimentez cette bille d'amour à l'intérieur de votre cœur et vous la faites grandir petit à petit. Sur chaque inspiration, chaque fois que vous alimentez cette bille d'amour, elle prend plus de densité, plus d'intensité et elle augmente sa taille, jusqu'à être maintenant de la taille d'une balle de tennis, toujours à l'intérieur de votre cœur. Et vous alimentez son énergie sur chaque inspiration naturelle. Et vous continuez à la laisser grandir tranquillement, à prendre de plus en plus d'éclat. Et cette balle d'amour qui est à l'intérieur de votre cœur, elle fait maintenant la taille d'une balle de tennis, d'une balle de handball. Et vous continuez à l'alimenter, à la faire grandir sur l'inspiration. Et elle grandit encore. Et vous la laissez sortir de votre corps. Elle enveloppe toute votre poitrine et votre dos. Et vous continuez à l'alimenter sur chaque inspiration pour qu'elle grandisse encore et qu'elle rayonne à partir de votre cœur. C'est de l'amour que vous faites grandir dans votre cœur. Et vous continuez à faire grandir cette balle, cette boule d'énergie d'amour, qu'elle enveloppe tout votre corps. Vous êtes à l'intérieur de cette bulle d'amour. Et vous continuez à l'alimenter sur chaque inspiration. Et elle continue à grandir jusqu'à occuper toute votre maison.
Et vous continuez à l'alimenter, elle grandit encore. Et plus elle grandit, plus elle prend de la densité et plus elle s'étend. Et elle est maintenant à la taille de votre ville. Vous êtes toujours au milieu d'elle et vous savez qu'elle touche chacune des personnes de votre ville. Délicatement, subtilement, sans rien forcer. Et vous continuez à la faire grandir jusqu'à ce qu'elle arrive à la taille de votre région. Et elle grandit encore. Et elle devient maintenant une bulle d'amour à la taille de votre pays. Et vous savez qu'elle va toucher subtilement chacune des personnes à l'intérieur de cette bulle d'amour que vous continuez à alimenter avec votre inspiration. Et vous continuez à la faire grandir jusqu'à ce qu'elle puisse être plus grande que les océans. Et vous savez qu'elle arrive là, jusqu'au niveau de la Statue de la Liberté à New York. Vous ressentez qu'elle alimente cette flamme de liberté. Et en la faisant grandir encore un peu, cet amour peut toucher ces tours du 11 septembre. Et vous savez que cette énergie d'amour, cette énergie positive, peut très délicatement, très subtilement nettoyer les énergies pas très cool qui resteraient là-bas. Que l'amour que vous envoyez peut remettre du soleil là, dans l'endroit, dans le cœur des gens qui ont été blessés, dans le cœur des personnes qui ont perdu un être cher. Que cet amour est guérisseur. Et vous continuez à alimenter votre bulle d'amour sur chaque inspiration et vous laissez faire les choses sans rien attendre, juste envoyer de l'amour à partir de votre cœur. Et vous savez aussi que cet amour touche les énergies noires qui ont mis en place ces événements du 11 septembre et qu'elles peuvent très délicatement, très subtilement aider à les nettoyer. Vous êtes au-dessus de Ground Zero. Votre cœur est alimenté par votre inspiration et il envoie l'énergie d'amour sur tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et vous prenez de la hauteur. Vous volez au-dessus de Ground Zero. Tout en continuant à envoyer de l'amour. Sans rien attendre. Juste laisser faire. Laissez les choses se mettre en place, se nettoyer. Par la magie de l'amour. Et si tout est juste, vous pouvez tranquillement penser que vous êtes en train de vous poser à nouveau à l'endroit où vous êtes.
ramener cette boule d'amour progressivement à la taille de votre pays, de votre région, de votre ville, de votre personne, de votre corps, de votre thorax, de votre cœur, et la laisser poser là, parce qu'elle vous anime et elle vous nourrit au quotidien. Juste un instant pour savourer ce qui vient de se passer. Et vous pouvez prendre trois grandes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Sans rien changer d'autre, vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre . Posez vos mains devant vos yeux. Ouvrir les yeux derrière les mains et descendre tranquillement les mains devant vous. Puis ramener vos énergies à la terre.